Bonjour à tous, moi c'est Unzo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire l'avant-match PSG Angers, c'est parti. On commence par PSG auquel on a 7 joueurs absents, c'est énorme, on a beaucoup d'absents, des blessés, cas Covid. Et pour les blessés, on a 7 absents, on a Marco Verratti qui est absent, Rafinha Alcantara, Keylor Navas, Diallo, Marquinhos, Le Tellier et Juan Bernat qui restent toujours absents depuis sa blessure, ça fait très longtemps. Et pour le classement, je mettrais 1-4-2-3-1, c'est le classement que Mauricio Pochettino qu'il adore, il utilise toujours 4-2-3-1. Et en gauche, je mettrais Sergio Rico vu que Navas n'est pas là, c'est Sergio Rico, on va jouer la sécurité. La charnière centrale, je mettrais Thilo Kehrer et Kimpembe. Les latéraux, je mettrais Florenzi, Mitchell Backer. Les deux, si je mettrais Danilo et Herrera. Je préfère jouer avec Herrera que jouer avec Paredes. Paredes, il n'a pas de rythme. Il vient, le match passé, il n'a pas joué. Je pense qu'il va jouer la sécurité avec Herrera. En 10, je mettrais Neymar. À droite, Mbappé. À gauche, Di Maria. Au centre, je mettrais Icardi qui nous a sauvé le match passé. Il a marqué le but de la victoire. Sinon, c'était un match nul contre les Verts et ça aurait été trop. Deux points avec Lille. Ça aurait été plus compliqué vu que Lille, cette saison, ils sont plus solides. Ils font du bon jeu et je pense pas que Lille va lâcher, mais j'espère qu'ils vont faire un petit faux pas comme ça, le PSG, pour revenir et gagner le championnat. Et pour Angers, je mettrai 1-4-3-3. En gauche, je mettrai Paul Bernardoni. Au central, je mettrai Traoré et Thomas. Les latéraux, je mettrai Bamba et Capel. Les trois milieux de terrain, je mettrai Bobichon, Amadou et Mangani. Paul Mangani, c'est le capitaine. Et les trois attaquants, je mettrai Baoken, Johnny et Mohamed Ali Chou. Pour mon pronostic, victoire du PSG 4-1, parce que je vois pas PSG faire un clean sheet, ils encaissent trop cette saison, et je pense qu'ils vont faire 4-1, doublé de Neymar, but de Mbappé, but de Icardi. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, c'était Umzo, à la prochaine.